aujourd'hui on se retrouve avec mon petit Charles et comme je vous avais proposé une fois en vidéo, c'est d'essayer de mettre Charles en fille, donc ça deviendra Charline, juste le temps d'une vidéo, parce que moi personnellement je le préfère en garçon, en tout cas le mien. Donc voilà, je vais quand même essayer de le faire en fille pour voir comment il est en fille, mais pour moi ça restera un garçon. Et du coup vous pourrez me dire en commentaire si vous le préférez en fille ou en garçon. Alors le mien, je trouve que vu comme il est fait, il fait plus petit garçon. Mais bon, à voir, des fois, juste les habits, ça change tout. Donc pourquoi pas essayer. Donc il avait encore sa tenue de Noël. Du coup, je vais lui changer ça. Et voilà. C'est vraiment un trop beau kit que j'adore. Voilà, j'espère que vous le verrez bien. Alors, dehors, il fait un coup soleil, un coup gris. Donc, la lumière, je ne sais pas si ça rend top. Ben, du coup, je vais lui mettre un body de fille. Hein. Vu qu'on le transforme en fille, ben, autant tout changer. Alors, c'est ça aussi qui est bien... quand on a un reborn, c'est qu'on peut le mettre soit en fille, soit en garçon. Moi, en général, quand je choisis au départ si c'est une fille ou un garçon, souvent je reste sur le choix que j'ai fait. Mais pourquoi pas, selon les envies, ben, changer le sexe du bébé. Donc voilà, vu qu'il n'est pas sexué, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc là, je le mets... son petit body mini, ça me fait trop bizarre de l'habiller en fille en fait, mais voilà, pour l'instant j'ai toujours pas l'impression qu'il fasse fille, mais bon, ça c'est parce que je pense que je suis focalisée parce qu'il soit un garçon, mais voilà, on verra bien. Alors déjà le voici avec un petit body rose. Donc je vais arrêter de dire le et on va dire Charline, vu que c'est son nouveau prénom pour aujourd'hui. En plus, je lui ai trouvé une belle petite jupe. Donc là, ça va être son petit haut. Bon, je ne l'ai pas habillé en hiver. Tant pis, là. Oh, je dis, vous voyez, je dis il. Hein. Elle aura une tenue d'été, du coup. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, c'est du 3 mois, donc ça sera un peu grand. Parce qu'en général, il met du 1 mois. Le kit Levi, enfin moi je lui mets le kit Levi, je mets toujours du 1 mois. Parce que je trouve que le... Bah là, le 3 mois, vous voyez, c'est un peu grand. Et là, regardez. Elle aura une belle petite jupette. Alors là, on pourra pas faire plus fille que ça. Hein. Alors, je vais arranger le t-shirt. Voilà, elle ne pourra pas faire plus fille que ça. Donc déjà, là, elle a sa petite jupette. Et après, ben, je vais trouver un petit bandeau pour faire fille. Hein. Du coup, je vais la recoiffer. Ça me fait trop bizarre. Alors moi personnellement les bandeaux je les laisse juste le temps de la vidéo ou des photos. Après je les laisse pas avec le bandeau pour pas que ça casse le routing. Alors est-ce que Charline va être belle avec sa petite tenue? J'ai mis Charline tout simplement pour que ça reste avec son prénom d'origine. Vu qu'à la base c'est Charles. Voilà. Alors on va lui mettre son petit bandeau. Ça me fait trop bizarre de l'avoir en fille. Alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai que. Ouais, ça pourrait faire fille. Même si perso, moi je le préfère en garçon. Donc là elle est en fille.
Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous la montrer de plus près. Du coup, voici Charline, une jolie petite fille du kit Lévi, avec ses petites mains. Vous voyez, elle a une belle petite jupette. Je vais faire des photos comme je fais chaque fois, à chaque fois. Et puis, ben, vous me direz ce que vous en pensez en fille, si vous la préférez en fille ou en garçon. Voilà. Ça va, ça lui va bien, mais moi j'ai tellement l'habitude de le voir en garçon, et pour moi c'est un garçon, donc je préfère quand même en garçon, même si ça lui va bien en fille. Ça restera un garçon en tout cas pour moi. Mais voilà, ben dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et votre préférence entre fille et garçon. Là, je vais faire des petites photos, je vous mets ça en fin de vidéo, comme je fais d'habitude. Et puis, ben, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.